Estimé à environ 16 millions d'hectares dans les années 1960, la Côte d'Ivoire a perdu 95% de son patrimoine forestier. Une situation inquiétante qui a amené le pays à adhérer en 2010 au projet RED+, réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Pour la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire, un atelier est initié en vue de procéder à la validation et à l'endossement du document de préparation. La RED+, c'est un mécanisme innovant qui est issu des négociations internationales sur les changements climatiques. Et ce mécanisme-là va aider les pays forestiers à conserver leurs forêts. La validation de ce document donne accès à la Côte d'Ivoire à deux importants fonds, celui de l'ONURED, je suis avec le coordonnateur ONURED, et également au fond de la Banque mondiale. Un atelier qui sera l'occasion de mener des réflexions sur les changements climatiques. Le ministre Alaa Kouadio Rémy situe les enjeux. La RED+ est en fait le fruit de l'étroite et franche collaboration entre le gouvernement ivoirien et ses partenaires au développement, mais également aussi la société civile pour produire un document aussi important et qui soit en cohérence avec les autres stratégies politiques du pays, notamment le PND, dont il contribuera à atteindre certains objectifs. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès dans la lutte contre le changement climatique. Plus de 12 millions de dollars ont été investis.